Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Je suis très heureuse de te retrouver ah, Bonjour. pour l'Aftara. La Merci, Merci. Et nous allons voir aujourd'hui encore une Aftara d'Ézéchiel, ce magistral prophète qui écrit en plus de manière très poétique, mais ça on peut surtout l'apprécier en hébreu. Enfin, donc là, on va on va. Plutôt donc contempler, considérer le contenu. Et nous avons une astara qui s'adresse euh, au peuple, mais qui évoque les prêtres essentiellement. Donc il s'agit là euh, des coanimes, et de, du sacerdoce des prêtres et des lois particulières concernant les prêtres. Alors j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait nous intéresser, nous autres qui ne sommes pas prêtres et qui n'avons pas de prêtres dans la famille. Très bon. Alors, d'abord, est-ce que tu peux un peu nous situer euh, au niveau historique, Saint-Astara ben, Je l'ai déjà dit, mais on va le répéter. Il qu'elle lorsqu'il parle, il parle depuis Babylone. Celui qui parle depuis Jérusalem, c'est Jérémie. Nous sommes entre 11 et 0 années avant la destruction du temple, qui sera détruit en moins 500 ans avant les vulgaire. Donc, euh, <laughs> il donne l'espoir à ceux qui ont été les premiers déportés, je le rappelle en moins 597, première déportation de, de l'oligarchie judéenne. Ils sont trois groupes, on l'avait vu, je crois, Le premier qui vient il lui dire, on va retourner en Judée, on va conquérir, on va, on va mettre à part les, 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 les Babylons. Et les hommes de, de Nabucodonosor ont point de pouvoir. J'ai fait qu'elle leur dit. Vous n'imaginez pas, vous n'avez rien compris. Si vous êtes là, c'est la volonté de l'Éternel. Donc, vous, il n'y a aucun moyen de pouvoir reconquérir. Alors, les autres, un deuxième groupe vient et dit, bon, ben, si on ne peut pas reconquérir, construisons le temple à Babel. Non, mais ça ne va pas. Vous, si, si vous êtes là, c'est juste pour que vous compreniez la douleur, la l'offense qu'il y a à ne pas pouvoir exercer. Dans ce temple-là, et le troisième groupe qui vient venir lui dire Eh bien, adorons le bois et la pierre, sans défiler. Assimilation. Il en donne l'espoir ici que le troisième temple va, va être reconstruit. Il, est, il va expliciter quel est ce temple, même dans ses mesures, et puis expliquer au chapitre 44. Expliquer quoi Ce qui va s'y passer à l'intérieur. Les Alors, on a, on a quelques instructions. Ils revêtront des habits de lin. Aucun tissu de laine ne devra les couvrir. On sait qu'il est interdit de mélanger le, le, la laine et le lin. Des turbans en lin couvriront leur tête, des pantalons de lin, leur lin. Donc, on, on a une... Le lin est végétal. Sur le lin, voilà, sur le lin, la laine. La Alors, laine est végétale, bon. ouais. et, et je sais que bon, c'est un roc il n'y a pas d'explication faite. Euh, pour cette interdiction, mais est-ce qu'on a quand même des indices, enfin, pour faut aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette interdiction de mélanger le lin et le, la laine et le laine, et pourquoi il est très important que le, leurs habits soient en laine, et qu'aucune laine ne devrait le recouvrir, est-ce qu'il y a une raison Les coanines les les effectuaient des sacrifices. Oui. Donc, ils étaient en contact avec les animaux. Et oui. Tu es même évidemment. Alors, il faudrait peut-être se dire... La laine, ça vient des animaux. Donc... Mais non, ça, c'est ça. À mon, âme, à mon humble ami, il y a une interdiction du mélange des genres. Du mélange des genres. Okay. C'est-à-dire que François n'ira pas avec euh, la chef de M. Seguin. Il n'y a pas. Il y a un. Oui, c'est vrai que. Mélange des ça va très bien avec la suite, où, où l'obligation de faire des différenciations, des distinctions et sans arrêt euh, souligné. On a ensuite, justement, ils enseigneront à mon peuple à distinguer le saint du profane. Ils lui apprendront à séparer le pur de l'inférieur. Donc, on a continuellement, la sainteté, c'est pouvoir effectuer des distinctions. Oui, parce que, le, comment dire, le point d'orgue du mot saint, kadosh, elle euh, résonne, comme étant la vie. Lorsqu'il s'agit d'enseigner ce qui est saint, c'est-à-dire ce qui est capable de produire, de générer, d'engendrer, le profane dans le langage, c'est-à-dire le rôle, c'est difficile en français d'expliquer, mais rôle, c'est la racine de haloul, c'est-à-dire ce qui est vide. Et le Kodesh n'est pas séparé du rôle, il est différent. Mais ils sont indispensables l'un à l'autre. Et c'est parce qu'ils sont indispensables l'un à l'autre, premièrement qu'on ne les sépare pas, mais surtout... Enfin, on les fait hein? le ben Oui. Et... Ah ben, dans le texte biblique, l'entendement est bien entendu de comprendre que le contenant ne peut être sans le contenu. Avec toute la valeur intrinsèque que tu apporteras au contenu, il n'en reste pas moins que le contenant est une nécessité. Donc toi, tu vois le, le, le contenant comme le Kodesh, le ça et le contenu comme le roi Ma chère Nathalie, il n'y aura que dans le cas où le contenant sera capable de contenir ce contenu que... c'est quoi le contenant et le contenu ah, le contenant c'est la vie d'accord il... vie donc ce qui est ça qu parce que la vie est toujours mais, comme ça mais ah. au niveau du rôle il est la... pas nul dans le sens qu'est-ce que veut dire euh, vide il est vide de sens la vie est mais une fois que la vie est née, oui, mais Certains... hein. ben, regarde, enfin, chez les stoïciens romains, lorsque l'enfant naît, nous devons nous lamenter. Lorsque l'homme meurt, nous devons nous réjouir. Nous lamentons pour l'enfant naissant, parce que nous ne savons point ce qu'il adviendra de lui, et pourtant la vie est là. Lorsqu'il est mort, nous nous réjouissons, et bien bien sûr, parce que nous sommes ce qu'il admet de lui. Donc tu comprends que la vie est un instant. C'est un instant. Il faudra que la vie prenne sens dans le temps. Oui. Mais pour que cette vie puisse prendre sens dans le temps, il faudra que cette vie appartienne à quelqu'un, à un contenant quel qu'il soit. Et c'est dans la durée de cette relation que nous serons capables de mesurer la valeur du temps de cette existence-là. En clair, je te dirais que lorsqu'il se rencontre le contenu et le contenant, nous sommes capables de créer, euh, comment dire, une dimension où la nécessité devient vertu. Alors, euh, je trouve ça compliqué de se suivre, je te dis franchement, parce que moi, je préfère, euh, 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 mais je préfère mon, mon, euh, utiliser les termes qui sont là, la distraction, le simple, le profane. Le, pur, le pur, on, on voit la nécessité de séparation, de séparation et de distinction, euh, de même euh, qu'entre le jour du Shabbat et les autres jours. Enfin, on, on a plusieurs. Léva, ouais, à... il n'est pas marqué Léa Fried. Léa Vdil. Léa Vdil. Eh ben oui, ben oui, il va dans tout le monde dans le panneau. Donc Léa Vdil. Je, je viens d'expliquer qu'il te paraissait compliqué, et justement compliqué parce que l'argent populaire. Est capable de se laisser aller dans des traductions et des dénominations qui sont à contrario de la nomie première, première. Alors, dans, dans la vie. Il ne s'agit pas de séparer, il s'agit de distinguer. Mais lorsque je distingue Nathalie et moi, ça ne veut pas dire que Nathalie et moi ne pourrions pas être ce nous tant par exemple. <laughs> D'accord. Bon, en tout cas, euh, c'est intéressant parce qu'on vit aujourd'hui à une époque où, euh, je l'avais dit il y a deux semaines, et, et c'est quand même un thème récurrent, c'est un thème dont on parle beaucoup, même dans les médias, non, dans, dans les ouvrages qui sont publiés, on, on assiste à une perte des repères et, et où les genres, les, les, les genres remettent en cause leur identité, même, même leur identité parfois la plus élémentaire, comme l'identité sexuelle, qui, qui devient de plus en plus floue pour certains. Donc on se demande, on se demande si euh, être sain, ce n'est pas arriver à, à être clair. Ne nous éloignons oh. pas des coanimes. D'accord. Alors, les coanimes fermés dans le temps, combien de temps par an, deux semaines. Oui. Plus quelques jours au moment des fêtes. C'est ce qu'on appelle les différentes équipes, les brigades. Que faisait-il? les 51 heures à 51 autres semaines. Ils avaient l'obligation, au moment de la sortie du temple, de se défaire de leurs habits sacerdotaux pour redevenir comme l'un parmi tant d'autres. Attention, il n'y a pas de colaré blanc. Ils redevenaient l'un parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui les distinguait le fait qu'ils appartenaient au ministère de l'Éducation et de la Culture, c'est-à-dire qu'ils étaient par devoir ceux qui allaient transmettre, enseigner, faire savoir, connaître, entendre et comprendre. C'était leur rôle. Ils n'avaient aucune attache territoriale. Ils étaient, je, excuse-moi du terme, entretenus par le peuple, c'est-à-dire qu'on ne payait pas une redevance d'inscription scolaire ou universitaire, mais le fait de subvenir aux besoins de ces coanimes, de cette tribu de Lévi, Lévi, rappelle-toi, les vaillants, ceux qui vont accompagner le peuple, le plus grand de ses compagnons, comp le copain, le compagnon du latin compagno, celui avec qui je partage le pain. Et de quelle nourriture est-il question ici Pas simplement du pain du boulanger, mais du pain spirituel, éducationnel, culturel, conpado. Bon, et ils ont quand même un, un, un rôle très particulier, les Kohanim. Ils constituent le tribunal. Pourquoi est-ce que ça doit être les, 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 les Kohanim qui, dans tout différent, doivent constituer le tribunal Est-ce que le fait ah, qu'ils parce qu'ils sont les, euh, les, sont les réseaux transmetteurs de ce savoir, de cette connaissance, de cet entendement et de cette compréhension. On ne devient pas juge qui le veut. À partir du moment où ces gens sont formés à l'éducation, à la culture, je pense que celui dont je voudrais qu'il puisse être à même, de me juger, serait une personne, euh, comment dire, euh, à, à la hauteur de qui je puisse me référer, euh, m'entendre. Euh, donc les Kohen ko en hébreu, attention, ce n'est pas une euh, aristocratie. Non, non, Kohen, ça veut dire les chaen, ça veut dire être au service de... Ce sont des fonctionnaires de qui De l'Éternel, mais ce ne sont que des fonctionnaires. Ces fonctionnaires d'État ont un rôle à l'université, au lycée, à l'école et au tribunal. C'est-à-dire à tout ce qui est à même de pouvoir soit donner les premières assises, soit de pouvoir éviter le désordre de la société. Oui, parce qu'en fait, euh, ils il ont eux-mêmes une discipline. Qui leur est imposée, qui est très rigide. Et est-ce que c'est lié au fait qu'ils sont à même de juger euh, euh, correctement les autres cette discipline Enfin parce que personne. Ne... Parce que nous avons l'espoir, contrairement à ce qui se passera à l'époque des 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 Maccabim, quand c'est le, le, le deuxième Hashmonéen à, à à vouloir entreprendre le sacerdoce, Shimon en assassinant son frère euh, Yohanan, et, et, et par la suite où chaque Cohen qui deviendra le grand prêtre, et eh bien paiera euh, 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 pour obtenir le statut et le poste qui est le sien. Donc ce que nous avons besoin pour ordonner la société, nous avons besoin de gens qui soient en ordre, en ordre avec eux-mêmes. Il y a certainement ici une volonté de pouvoir euh, les régir, les gérer, afin, autant que possible bien entendu, nul ne peut prévenir, euh, comment dire, euh, des mauvaises herbes. Mais il est clair que la, le, le, la finalité serait de pouvoir établir une keuna un sacerdoce, une tribu de Lévis dans l'éducation et la culture, et chez les kohanim, par exemple, des juges, à même de pouvoir être respectables, respectés et euh, ordonner euh, cette société vis-à-vis -vis de laquelle spirituellement, édu éducationnellement, et culturellement, ils ont une responsabilité propre. Merci beaucoup, René. Donc, euh, on a bien compris là, tu as été très clair. Ceux qui, ceux qui euh, sont au tribunal et qui exercent donc un jugement doivent être exemptés. Je rajoute un mot pour finir, parce que peut-être tu m'as fait entendre que ce n'était pas compréhensible. Lorsque ce contenu spirituel éducationnel trouve son contenant, l'homme, la société, le pays, l'État, et qu'ils sont capables de se conjuguer ensemble. C'est une nécessité que l'un rejoigne l'autre. d'accord Lorsque cette nécessité-là s'exerce, il faut que cela devienne vertu. Très bien, merci beaucoup, René, et à ça. dans deux semaines. Ça, 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 ça.